Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Salut toi qui es un futur businessman. Alors je te fais aujourd'hui cette vidéo, je suis désolé, elle sera courte, mais c'est tout simplement parce que là je t'explique un peu dans les conditions où je suis. Là je suis dans un hôtel, un petit hôtel, voilà, tranquillement, 3 étoiles. Je suis en fait venu parce que y a une petite, on va dire, réunion formation. Donc c'est, en fait c'est un week-end, un petit week-end que je fais avec mes associés. Et donc du coup on est là, on se booste, on se motive à justement développer notre secteur d'activité. Donc comme tu le sais, ou peut-être que tu ne sais pas, mais moi j'essaye vraiment de développer plusieurs secteurs d'activité. Je développe un secteur d'activité sur le web, mais aussi dans le rééquilibrage alimentaire. Et là on est vraiment dans un week-end où c'est vraiment puissant. Je rencontre beaucoup de collaborateurs. Et franchement là voilà, je suis dans ma chambre. Je te fais cette vidéo vite fait parce que j'avais vraiment envie de le faire, parce que j'ai vraiment cette sensation en fait de partage. Ce que je veux partager justement dans cette vidéo, c'est tu peux développer des choses, tu peux développer vraiment un vrai business en ligne. Tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Tu peux trouver des personnes qui justement sont dans la même thématique que toi, ou alors qui sont dans le même, la même thématique digitale que tu peux trouver sur internet. Tu peux trouver ça partout et tout simplement vous mettre, vous associer en fait et partager beaucoup de choses ensemble. Donc là je suis vraiment en train de partager quelque chose de fort avec mes associés. Donc c'est un peu en fait le concept du mindset. Un mindset, c'est un mindset. Non, je crois. Non, un mastermind, voilà, pardon. Je cherchais le mot. Un mastermind, c'est vraiment donc les personnes qui. Plusieurs entrepreneurs qui se regroupent par rapport à un secteur d'activité. Donc ça se fait souvent justement dans le web marketing. Vous pouvez rejoindre des masterminds par rapport à des influenceurs en web marketing. Du coup, là, ouais, on peut appeler ça un mastermind, mais qui se fait vraiment dans un week-end. Voilà, on s'est tous mis un week-end. Aujourd'hui, on est quoi? On est plus de 240 associés. Donc, t'imagines un petit peu le business que je suis en train de développer. Donc, on est plus de 240 associés et on s'est tous retrouvés. Et ces 240-là, on est vraiment un groupe associé, solidaire, en fait, qui développe cette activité là. Donc en gros, ce que je te partage de faire et ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de trouver des personnes qui sont dans la même thématique que toi pour pouvoir vous mettre ensemble et vous motiver l'un l'autre, parce que c'est vraiment très important si vous voulez développer votre activité, votre business, que ce soit en ligne ou en réel en fait. Si vous voulez ouvrir un magasin, je sais pas, de beauté, de vêtements ou quoi que ce soit, et ben allez voir les personnes qui sont déjà dans le coin, allez voir les personnes qui sont déjà dans le quartier, et ça va vous aider et ça va vous booster. Allez les voir, faites des rencontres, sympathisez avec eux, et au final ils ne vont pas devenir des concurrents mais des associés, et là vous allez pouvoir construire quelque chose à deux ou à plusieurs. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donc là je viens de justement terminer de m'habiller, je vais aller retourner voir toutes ces personnes, on va aller manger un bout ensemble et ensuite on va aller faire la fête, parce que oui, en fait on est là, c'est vraiment pour se remotiver, parce que lorsqu'on va retourner tous chacun dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos activités et dans notre vie quotidienne en fait, et on est peut-être on a peut-être un coup de boost ou un coup de mou ou quelque chose, enfin voilà, ça vacille vraiment. Et donc du coup ce week-end que nous on a organisé, c'est vraiment pour nous rebooster, pour nous redéfinir un petit peu le business qu'on est en train de vraiment développer ensemble. Et donc vraiment je te conseille de trouver des personnes qui sont dans la même thématique que toi, ou alors qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui veulent entreprendre quelque chose. Moi je sais que j'ai pas mal de groupes Facebook, donc ça peut se faire aussi. Des groupes Facebook, c'est tout simple, tu rejoins des groupes Facebook qui partagent la même passion que toi, qui ont les mêmes ambitions que toi, et vous échangez en fait tout simplement, et peut-être que tu vas trouver des associés, ou peut-être des accords, ou peut-être des partenariats que tu n'aurais pas trouvé avant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je te rappelle que tu peux trouver les formations qui sont disponibles dans la description. Si tu as aimé ce format de vidéo, et là un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, même un commentaire, même si tu as une question à poser, pose-la dans la description, je serai ravi de te la poser. Et du coup je te dis à la prochaine, donc dans une nouvelle vidéo, et surtout fonce dans tout ce que tu fais. Ciao ciao.